Bonjour à toutes et Gulliver, on se retrouve aujourd'hui en ce lundi pour une nouvelle vidéo pour une semaine très spéciale. Cette vidéo va être faite sur The Escapist. Laissez-moi d'abord vous présenter un peu The Escapist et on vous parlera après de Game Novel en lui-même et de pourquoi une semaine spéciale sur Game Novel et de tout plein de choses. On racontera des conneries, mais d'abord présentons The Escapist. Alors, vous devez tous sûrement ou en grande partie, laissez-moi mettre mon clavier en QWERTY, connaître Prison Architect. C'est un jeu où vous devez construire une prison et faire en sorte que les prisonniers restent, machin et tout ça. Et ben là, en fait, ma foi, c'est exactement l'inverse. Vous êtes dans la prison et vous devez partir. Alors, pour cela, vous avez plusieurs choses disponibles, des missions vous seront demandées d'être réalisées par par vos co-détenus. Et ces missions vous permettront donc de gagner de l'argent pour acheter différents outils afin de vous échapper. Il y a différentes façons de s'échapper, faire un tunnel ou bien pour vous échapper par le dessous. Alors la série du breakfast, moi je n'y vais pas, je préfère faire un petit peu mes peps, car en plus de cette notion donc un peu action de vous échapper, il y a du fight, un petit système de combat qui est sympathique. Il y a un côté aussi RPG, regardez ici. C'est le 7, donc je sais pas, ça marche jamais. Là vous voyez, la strength, donc ma force, strength, speed, ma vitesse et int, mon intelligence. Et ces caractéristiques là sont très importantes. La force par exemple va faire que vous creuserez plus, donc plus facile de vous échapper. La vitesse, vous courrez plus vite, donc plus facile pour échapper aux gardes lorsque vous en tapez un et qu'en fait vous verrez que vous n'allez pas résister. Et par la suite, l'intelligence, c'est afin de faire des métiers, car il existe différents métiers. Là justement, moi j'ai un métier en ce moment, vous devez faire un certain quota, donc faire un certain nombre de trucs, enfin vous voyez ce que je veux dire, afin de enfin pour ne pas vous faire virer. Alors hop, c'est ce que je vais faire là ici le plus rapidement possible. Vous voyez les jobs, c'est très simple. En gros, dans tous les jobs c'est comme ça, c'est juste la matière à la rigueur qui change. Alors j'ai fait que deux métiers, il y en a plusieurs, je vais vous les montrer juste après. L'autre métier moi que j'avais fait, c'était dans la laundry, au lavage. Où c'était exactement pareil, on prenait les habits, on les mettait dans la machine à laver, on attendait un peu, on les reprenait et on les mettait dans la pile des affaires propres. Vous voyez là, le système c'est exactement le même, hein. Les plaques de métal, vous les mettez dans les pressure plate. Je suppose que c'est ça, en tout cas dans Prison Architect ça s'appelle comme ça, donc on va dire que c'est ça, pareil. Et une fois mis dans les pressure plates, vous les mettez dans l'autre, dans la partie de l'autre côté, quoi. Hop, voilà, je vais arriver à mon... Oula. Hop, oui, c'est une petite spécificité, on en reparlera juste après un petit peu, on en reparlera cette nuit. Oui, nous allons passer une nuit ensemble, mes chers. Alors, hop, quand je dis la nuit, c'est la nuit dans le jeu, hein. Les vidéos là sur les vidéos vont durer qu'une petite semaine. Vont durer une demi-heure. Alors hop, je vais vous montrer. Donc là j'ai fini mon quota. Voyons voir. Ici je crois qu'il n'y a pas de job, mais en même temps, comme ça me permet de faire un petit tour du propriétaire. Il y a des stocks, là c'est la salle d'exécution. Vous voyez là, il y a des petites serrures rouges. C'est que vous pouvez voler des clés. Et voler une clé, ça vous permet ensuite, si vous avez le matos. Le matos nécessaire de pouvoir faire imiter la clé et donc aller dans ces portes qui sont fermées et réservées. Là vous voyez, c'est la lingerie, je ne peux pas rentrer car ce n'est pas le métier qui m'est attribué. Là c'est le bûcheron, là c'est un flic, là c'est des faux. Toc toc toc, hop, là c'est une serrure orange. Il y a d'autres serrures je crois, il y a des serrures... Bon je sais pas, on verra bien. Hop, lui qu'est-ce qu'il veut? Nice show, ok. Alors, là vous voyez, j'ai pris une mission. Donc on va voir un petit peu le résumé de mission de Jay. Faut que je démonte Noah pour reprendre sa montre, faut que je démonte Joshua pour Ricky, et faut que je tape un garde. La prochaine période de douche, ça trouver des choses, en général je les prends pas, parce que pour moi je trouve que c'est du temps de perdu. Au début faites-le, c'est de l'argent facile. Non.
Par contre, ne vous dites pas que vous allez acheter un truc pour leur vendre parce que vous perdez de l'argent si vous faites ça. C'est juste une petite information. Là, c'est ici qu'on trouve les jobs. Alors, la dernière fois que j'étais... Ah, maintenant, ils ont ajouté. La dernière fois que j'en avais, il y en avait 3. Là, vous voyez, Juanito, donc c'est le nettoyeur. Il y a une place de disponible. Donc, je pourrais le faire en cliquant dessus. Mais si, par exemple, je veux travailler au woodshop, il faudra que j'aille taper Taylor pour l'assommer, faire en sorte qu'il ne fasse pas son quota, donc je le tape plusieurs fois, je l'assomme plusieurs fois, comme ça il ne fait pas son quota, et s'il ne fait pas son quota, alors il sera il sera licencié et le job sera redisponible, et donc vous pourrez aller demander à en faire partie. Alors là, c'est une bibliothèque, lorsqu'on lit, vous voyez, c'est simple, il suffit de cliquer, et hop là, on prend de l'argent. Bon, alors, on va faire nos petites missions. Alors, faut que je trouve Noah Chucha. Noah ou Chucha. Ça, c'est Ricky. Comme ça va me permettre de vous montrer un peu le système de combat. Alors, il y a plein de monde. Hop. En même temps, il y a Ricky. Noah, voilà. Hop. Donc, le système de combat, c'est simple. Vous appuyez sur espace. La souris passe rouge. C'est-à-dire que le mode de combat est activé. Et ensuite, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer, on va attendre que le club se passe, voilà, d'appuyer sur le mec, et ensuite c'est à celui qui a le plus de force qui gagnera. Vous pouvez aussi avoir des flanker, j'ai pas trouvé son truc. Vous voulez quoi le mec déjà? Joshua, le poster. Ah non mince, c'est Ricky qui l'a. Bon, j'ai démonté le mauvais mec, hein. C'est pas grave. Vous pouvez, c'est quoi que je voulais dire? Aussi, je me suis perdu. Ah, si j'ai dit c'était Joshua qui avait le poster. Non. Joshua's poster from Ricky. Faut que je démontre Ricky et Shane. En fait, je me suis juste gouré totalement dans la lecture. Ah, c'est pas grave. Ça fera de la lecture, en plus, ça fera du combat en plus. Et donc, c'est très simple. Vous pouvez aussi avoir des armes, comme je vous l'avais montré. Non, c'est le 7 dans le profil, là, where happened. Il faut tout simplement en acheter, c'est plutôt simple. Ok. Là, vous voyez, dans tous les trucs de distraction, c'est-à-dire taper les flics, en fait, tout simplement. Moi, je vais aller directement... Là, moi, j'en profitais pour faire un peu de sport. Pourquoi faire du sport? Donc, comme je vous l'ai dit, ça vous permet donc d'améliorer vos capacités. Si vous n'en faites plus, vos capacités vont baisser, mais aussi la vie, faire du sport, ça vous permet d'avoir plus de points de vie, et si vous arrêtez aussi de faire du sport, vous n'aurez plus de points de vie. Voilà, donc pour la présentation du jeu, alors c'est une présentation, c'est une vraie présentation, quoi. On va passer un petit peu maintenant à la présentation de Game Level, de qu'est-ce que c'est. Déjà, je me présente Colibrov, je suis le dirigeant, on va dire, c'est comme ça, hein, c'est pas une vraie entreprise, de Game Level. On souhaite vous proposer donc divers contenus sur divers supports. Vous aurez donc notamment de l'écrit avec des dossiers news, ce sont des news. Alors, il n'y aura pas des news comme sur JVC, Gameloop, ça, où ils vous balancent vraiment énormément de news. Non pas que, on l'a déjà fait, c'est possible, hein. Et on sortait même parfois, pas toutes évidemment, et eux ils en sortaient plus que nous, c'est pour ça qu'on a arrêté, parce qu'on n'avait pas, il n'y a pas moyen de rivaliser là-dessus, d'apporter une réelle valeur. Mais donc, ce qu'on vous proposera au niveau des news, ce sont des news vraiment un peu plus poussées, où il y aura une analyse de la news, et de ce qui s'est passé. Alors là, faut que je tape un mec, voilà, et par contre je vais m'échapper parce qu'ils vont tous venir sur moi. Normalement, je suis plus rapide qu'eux, donc je vais les semer. Hop, le petit point pour les semer, c'est simple. Vous allez ici, voilà. Et quand vous allez là, si les mecs, à moins que les types soient vraiment proches de vous, dans ce cas ça marche pas, mais s'ils sont même ici, vous voyez ma souris, c'est bon, vous les semez. Maintenant, il va falloir que je fasse attention à pas croiser un flic, parce que j'ai 80 de surveillance, donc autant vous dire que qu'ils vont pas apprécier s'ils me voient... Non, j'ai 46, excusez-moi, 80, c'est ma fatigue. Et là, le guard head, c'est la surveillance, enfin, si vous êtes suspect ou pas. Hop, et si c'est trop haut, vous faites niquer. Alors, je vais aller me laver, enfin, me passer à l'eau, parce que ça permet de réduire assez vite la fatigue, ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, bon, on va rester là à 50, et on va surtout aller se taper les oiseaux, c'est-à-dire Shane et Ricky. Matthew, alors... Lance. En général, moi ce que je vous conseille si vous jouez au jeu, c'est
de taper les quand il y a des rassemblements, vous chopez les mecs et vous les lâchez pas. Vous attendez la fin puis vous les démontez. Alors, donc au niveau du gameplay, au niveau de l'écrit, il vous sera proposé cela et aussi des news. C'est justement c'est les news dont je viens de parler, mais aussi de hop là, hop 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 hop, hop de ok j'ai pas son truc, c'est à dire que c'est dans oula, de aussi des tests et des previews. Au niveau des vidéos, il y aura des vidéos de découverte et d'autres choses, des émissions, une émission notamment où on parlera du jeu en financement participatif de la semaine, qu'on aura le préféré, d'autres choses, par exemple les jeux sortis dans la semaine, et autres. Cette émission-là, faut que je vous laisse la découvrir, elle devrait être bientôt. Alors, là, comme vous avez pu le voir, le Shane, là, il n'a pas le truc, ça veut dire que ça va être dans sa boîte, dans ses rangements, dans sa cellule. Alors, ensuite, au niveau des vidéos, c'est à peu près tout ce qu'on proposera. Il y a plus des vidéos de découverte, comme je l'ai dit, c'est déjà pas trop trop mal. Hop là, voilà. Mince. Ensuite, il y aura aussi des lives. Hop. Et voilà, donc dans les lives ou des jeux. Ou enfin un live sur un jeu ou alors un live sur des débats, on organise des débats, ce qui pourra sûrement vous intéresser, et en live c'est plutôt marrant. On s'en fiche du truc de routine. Hop là, est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui ont besoin d'une mission? C'est un Shane, que veux-tu Shane? Hop là. Ah bah Living Recall c'est maintenant, voilà, je me retape des gardes. Bah on va se faire un isolé, bim, voilà. Et c'est suffisant pour les distraire. Et oulala, ils étaient trop proches. Alors hop, on va juste se balader, de toute façon je suis plus rapide qu'eux. Voilà un peu pour le contenu de Game Level. Concernant cette semaine folle, pourquoi la faire? Tout simplement car c'est un peu la V2 de Game Level, mais on a apporté des modifications sur les retours que vous avez fait. N'hésitez pas à continuer de nous en faire, mais là ce sera plus organisé, une ligne directrice pour et des objectifs vraiment beaucoup plus clairs. Et voilà, on espère vraiment que le tout vous plaira. Là donc voilà pourquoi une semaine folle et qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine folle. Tous les jours on vous proposera entre 20 et 40 minutes de jeu sur différents jeux. Et donc on commence, comme je vous le dis, cette semaine avec The Escapist, un jeu indépendant, actuellement uniquement disponible sur PC, mais si vous avez suivi l'actualité, enfin, si vous avez suivi surtout la Gamescom, vous serez au courant que ce jeu sortira en 2015 en exclusivité Xbox One. Alors, vous voyez, je vous ai dit, là, il y a un petit truc qu'on peut monter, donc à mon avis, ça va permettre de lancer des choses, là, dans la ventilation, je n'ai pas encore réussi, mais ça a l'air d'être plutôt intéressant. Il y a des caméras, si vous tapez quelqu'un devant une caméra, vous êtes repéré, et parfois, il y a des gardes qui arrivent, donc faites attention à où vous démontez vos ennemis. Ice Friendship... Oh non, j'ai pas envie de... Maintenant, je prends plus que l'émission, il faut démonter les mecs, c'est plus rapide, la flemme de chercher. Et il y a ça avance à passer en tant qu'arme, est-ce que ça passe encore? Hop, on va vite le voir. Toc 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 toc. Oui, t'es bon. Wow. Et ça passe encore. Alors là, c'est un petit problème du jeu, vous voyez. C'est que quand vous croisez 5 gardes, les 5 vont vous dire... Ouais, faut que tu y ailles, regardez, là maintenant ils me poursuivent alors que justement j'y allais. On va parler, hop là, heureusement que je suis rapide. Faut et distancer, allez. Et oulala, on va le démonter. Hop là. Bah du coup ça fait la distraction du breakfast. Ouh bah là on va vous dire les mecs, c'est plutôt mort pour moi, vu que j'avais 117, c'est-à-dire tous vont me suivre. Alors soit j'arrive à les semer là, non il y en a un. Bon bah c'est mort.
C'est non. Ah non, mais en fait, c'est juste, je les ai semés. Bon, allez, tuez-moi. Enfin, tuez-moi. En fait, personne ne meurt dans ce jeu, hein. Quand vous tapez quelqu'un, vous l'assommez juste et il revient à la vie un peu plus tard. Alors là, on va changer de job. Alors, je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Allez, allez, vite, 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 vite. Ah, on croit pas qu'il va vite, mais si. Vous verrez si vous jouez au jeu, ce que je vous conseille vraiment, honnêtement, le jeu est super super bien. Vous verrez qu'au début, vous êtes bien plus lent. J'espère que j'aurai le temps de choper le mec qui va là-bas, qui va travailler. Ah, punaise, je l'ai pas eu. Vous voyez, sinon, donc, ici, il arrive ici, vous pouvez le taper. Dès qu'il revient, qu'il reprend ses esprits, vous le retapez. Vous faites ça plusieurs fois, puis à la fin, il n'a pas le temps de faire son quota de travail. Et donc, vous pourrez, le lendemain, prendre sa place. Donc, c'est vraiment très stratégique, ça vous permet de peut-être voler des choses qui vous permettront de vous échapper. Par exemple, ici, là, je peux voler des sheet metal qui me permettent de m'échapper. Mais c'est super dur parce qu'il y a un détecteur de métaux juste devant la sortie. Et si il se déclenche, vous êtes repéré, les gardes, dès que vous sortez, vous canardent. Là, c'est même pas les gardes qu'on voit depuis tout à l'heure avec lesquels je me tape pour m'amuser. C'est les gardes au fusil à lunettes, au petit sniper. Donc ça déconne plus. Hop là, voilà, hop, 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 et on va refaire une petite série. En même temps, une petite astuce pour vous, alors c'est pas une astuce de malade, hein. Vous voyez, là vous faites les 6, hop, là vous allez entendre un petit, hop, je me rapproche. Attention, écoutez le bruit, ça c'est dire que c'est fait. Maintenant les deux là, vous les... On peut plus les jeter par terre? Ah les escrocs! Ah bon bah désolé, l'astuce ne marche plus. Pas de l'astuce, c'était de les jeter par terre, comme ça le lendemain vous revenir. Vous en aviez déjà deux de près, donc c'était un petit truc, hein, mais c'est toujours sympa à avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Toi, t'avais pas une mission, Midnery, quoi, j'ai pas un mec qui a des motos, mais non, j'ai rien du tout. Alors, Bim, toi, qu'est-ce que tu vends? Ouais, c'est... J'ai plus mon... Ah, il m'a repris mon marteau en plus. Ok. Ils sont pas sympathiques, hein. Non, c'est pas qu'il a... Ah si, lui, il a rien. Bon. Que veux-tu que je démonte? Meow the ground. Ah, faut que je démonte IA. Ok. Il est où? Il est où, le garçon? Alors toi, qu'est-ce que tu vends, mon cher? Toi, tu vends rien d'intéressant. Toi non plus. IA. Mika, Terrell, Taylor, Jackson, Laura, Daniel, Ricky, Shane, Toc, et faut que je démontre Ronald. Ronald, c'est, je crois, il me semble l'avoir vu. Ronald. J'ai pas vu de Ronald? Ah si, Ronald, voilà. En plus, il y a une mission pour moi. Non, on se fiche de ton chocolat, voilà. Voilà. Tu m'aurais donné une mission intéressante, je te l'aurais faite, mais là, t'as une mission même. Alors là, c'est un pur hasard que les mecs que je dois démonter, que les deux mecs que je dois démonter, et des missions, hein, normalement c'est pas forcément comme ça. On va se faire Ronald. Attention, attention, démontage de vue papy dans 30 secondes. Démontage de papy d'ici peu, on va juste attendre que les gardes soient un peu éloignés parce que j'ai pas envie de me taper tous les gardes. J'en ai marre d'aller à l'infirmerie, monsieur, voyez-vous. Non mais, bim, 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 bim. Et, ah non, j'avais oublié. Vous voyez, ces mecs-là, donc, dont je vous parlais, qui vous tirent dessus. Sans aucun respect. Sans aucun respect pour vous, ils vous tirent dessus. Mon cher ami, si tu veux bien sortir ton nid, on va essayer de se démotion de mec. Tiens, toi dans les... Ah bah, tiens, je choisis. Hop là. Bim. 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 Et bim. Et bim. Et rebim. Je te chaîne. Et tu me chaînes. Et je t'enchaîne. Et je te déchaîne. Oh, oh, oh. Ah non, en fait, y a personne qui voulait que je demande Joshua. Mais si, j'ai pas halluciné. Ah non, c'est Noah. Oh, ça se ressemble. Tiens, Logan, que vends-tu, Logan? Mon cher Logan. Une sheet de métal? Oui, il a volé la sheet de métal, et ça peut être utile pour un système de craft, donc je vous ai pas parlé. Vous pouvez créer plein de choses. Et justement, ce sont ces choses qui vont vous permettre de vous échapper. Par exemple, hop là. Fallait pas que je démonte pas, moi. Bon, attendez, je vais me faire le garde aussi. Mais
Tiens, il y a aussi des mecs au fusil de vent, maintenant. Avant, ils y étaient pas. Il y a plusieurs, j'ai pas précisé, il y a plusieurs prisons. Si, ah non, c'est Ronald. Oh mince. C'est Ronald et Izia. C'est qui toi? T'es qui toi, Daniel? Hop là, bon, allez, on va vite y aller. Ronald et Izia. moi je prends les prénoms, j'ai pas lu, j'ai vu un prénom, j'ai tapé. Ronald, ah Ronald, 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 mon cher Ronald. Dommage pour toi. Mince, 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 mince. Ah le chêne que je me suis pris, ils sont tous mis sur moi. Vous voyez, en plus je perds de l'argent là. Dès que je me fais démonter, je perds de l'argent. Ah, je lâche les mauvaises. Mathieu, putain, c'est des faux frères, ils viennent même pas me réconforter. J'ai eu chaud, j'ai cru qu'il m'avait mis à Walp. j'ai cru qu'il m'avait volé mes habits, tous ces rats. Vous voyez, là, ils me disent tous d'y aller. Ça fait, je suis passé de 0 à 29. Oui, alors j'y arrive, il me prend aussi. Ah, je l'ai mauvaise. Il y a des zones, honnêtement, faut jamais attaquer, je suis bête. Mais là, je vous montre un peu de fight, un peu d'action, vous voyez. On chapeautait dans notre canapé. Mais ça marche pas, je vais pas démonter ma petite tête. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous organiser, de telle heure à telle heure, je fais des missions, de telle heure à telle heure, je fais du sport pour rester en vie, machin et tout ça. Et vraiment de vous organiser comme ça, de telle heure à telle heure, je fais de l'intelligence, je vais à la bibliothèque pour maintenir et améliorer mon intelligence. L'intelligence d'ailleurs, je vous l'ai pas montré, mais oh oui, c'est bon, pas chier. Wow, wow, wow. L'intelligence, regardez, hop là, il faut, alors, ça le met pas dessus, mais quand vous essayez de prendre un poste, il vous dira qu'il faut un certain montant d'intelligence pour avoir ce dit job, et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Donc il faudra aller à la bibliothèque pour le faire. Et j'ai pas essayé, à mon avis, si vous passez en dessous de ce niveau d'intelligence requis pour le job, vous serez viré. Alors bon, moi faut que je démontre qui j'ai dit. Izia et Ronald, alors là on va se les faire. Pas maintenant, on va attendre. Ça va être un peu la... Voilà, Izia avec sa tête bleue, je vais... Oui, je suis là. Comme ta joie. Avec cette tête bleue, on devrait le choper. Alors, il y a peu de skins. Mais bon, honnêtement, en général, il y a deux fois le même skin dans la prison. Donc, c'est largement gérable. Mais pourquoi il me tape? Non, c'est pas moi qui tape. Mais pourquoi il me tape, moi? J'ai rien fait. Ah, punaise. Wow. Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'en ai marre de me faire démonter. Laissez-moi faire ma mission. Honnêtement, je me suis jamais fait autant démonter que ça. J'ai dit Ronald et Isha. Ronald et Isha, machin. Matthew, Taylor, Ricky, Jackson, Terrell, Isha, voilà. Je suis sûr, il est pote avec les flics, ce gamin. Là. Il a vu que j'allais le démonter, alors il a fait, vas-y frère, tu m'aides. Les mecs, me forcez pas à tous vous démonter là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont deux sur moi? En fait... Oh non, mais non, mais non! Quelle honte! Mais quelle honte! Quelle honte! Je me suis jamais autant foiré que ça, sérieux. Pff, toi t'es qui? Ronald, bon bah voilà. Alors, tu vois, je vais te prendre dans les toilettes, comme ça il y aura pas de deuxième personne qui viendra nous enquiquiner. Et là, enfin... Hey, tiens, Noah. Bah, tiens, c'est le mec en plus que je devais aider, mais je m'en fous. Je te démonte aussi. Mais non, mais arrêtez de passer devant nous. Après, je vais vous taper et vous allez m'enquiquiner. Non, on s'en fiche. Logan, Taylor, Ricky, Matthew, Lance. J'ai dit, faut que je démonte Izia. L'homme à la tête bleue. C'est très chelou ça, les gens qui sont des plus comme ça. Je vous respecte, hein, mais c'est pas comme d'autres. Izia, voilà. Vas-y, vas-y. Y arriver, ma chaîne. Et là, ça m'a retombé dessus. Oui. We are the champion, my friend. And we come too far
Je suis pas dans la bonne rangée. La 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 la. C'est problématique. Là, il y a un petit evening waker. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit débrief de soirée. Oui. Je sors de cette cellule. T'as raison, je vais aller dans une autre. Il y a un petit problème du jeu aussi, c'est que si vous faites un trou dans une autre cellule, mais en fait, ils disent quand même que c'est vous qui avez fait le trou. C'est un petit bug, c'est dommage. Mais c'est pas bien grave. Hop là, du coup, c'est-à-dire vous devez faire ça avec intelligence et utiliser votre tête. Hop là, allez, 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 allez. Hop là, je vais directement aller me coucher. Et je vais vous remercier de nous avoir suivis. Je vais préciser, car j'ai juste carrément oublié d'ailleurs. Nous organisons un concours pour justement fêter cette folle semaine et cette D2 avec des jeux vraiment, je trouve, plutôt pas mal à gagner. Alors on commence avec un jeu d'Inno Games, donc ceux qui font Forge of Empire, donc c'est un jeu sur ordinateur. Avec donc c'est un jeu avec des clés pour la bêta fermée du jeu Rising General. Donc il y aura 20 clés bêta à gagner. Alors c'est simple, il y a un tweet, vous retweetez. Je mets le lien dans la description, vous avez juste à retweeter pour participer. Arrivé à 10 retweets, on proposera un nouveau jeu, Amnesia The Dark Descent, donc le premier du nombre, et selon moi d'ailleurs aussi le meilleur. Arrivé à 20 retweets, n'oubliez pas le lien du tweet dans la description, vous avez juste à retweeter, c'est simple, ça prend 30 secondes si vous avez un compte. Sinon vous en avez un et ça vous prendra 2 minutes. Hein. Si vous n'en avez pas, vous en créez un, ça prend 2 minutes à peine. Ensuite, arrivé à 20 retweets, 10 retweets en plus, donc 20 retweets au total, on ajoute une clé de Mirror's Edge. S'il y a encore 10 retweets au-delà de ça, et donc on arrive à un total de... Wow. Il veut quoi, lui? Pourquoi tu fais le mec violent, là? J'ai pas compris. Ok, bon. Si on arrive à un total donc à 20 retweets, on met une clé Mirror's Edge, j'ai dit. Si on arrive à 30 retweets, on vous offrira une clé Battlefield 3. Et arrivé à 40 retweets, c'est grand, c'est un nombre assez haut, mais je suis sûr que c'est possible. On offrira alors une clé Battlefield 3. Vous aurez toute la semaine, à chaque fois je vous le rappellerai, que vous pourrez aller retweeter. Donc il y aura quand même pas mal de gagnants parce que ça fait 21, 22, 23, 24 jeux à gagner si vous faites 40 retweets. Donc il ne sera plus d'une personne sur deux s'il y a juste 40 retweets. Puis s'il y a plus de retweets, on verra ce qui se passera. Il y aura peut-être un peu moins de gagnants. Enfin, il y aura toujours autant de jeux de gagner, mais le ratio sera peut-être inférieur. Bref, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à retweeter si l'un de ces jeux vous intéresse. Je le répète, une clé pour la bêta Rising General, Anisasti Dark Descent, Mirror's Edge, Battlefield 3 et Mass Effect 3. Si on arrive à 40 retweets, c'est un objectif assez haut, mais je suis sûr qu'il est possible. Je compte sur vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt sur Game Level.